Eh bien, salut tout le monde, c'est Sam Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online. Alors, on va aller voir Monsieur Lester, qui habite bien évidemment à l'autre bout de la France. Enfin, j'espère que vous ça va super parce que moi ça va nickel. Donc là aujourd'hui on se retrouve avec Franklin. Michael, pardon. J'étais sûr que j'allais faire le lapsus, je sais pas pourquoi mais je m'en doutais. Donc, je vais juste vérifier un détail, voir si le son n'est pas trop fort. Je suis toujours avec un écran simple. Alors, je vais peut-être baisser légèrement un peu le son quand même. Voilà. Comme ça, du coup, ça va pouvoir permettre. Pardon, je t'avais pas vu, je suis en train de remettre le casque. Donc là on va prendre un peu d'autoroute. Ouais donc faites pas trop attention à la conduite. Hein. Alors Youssef s'est déconnecté, c'est très bien, mais oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Youssef c'est le gars qui était là dimanche pendant le live. On dédicace à lui. Hein. Alors, on va aller voir Monsieur Lester. Parce que je vous rappelle que la dernière fois. Michael, avec l'aide de Franklin, a défoncé la baraque de Martin Madrazo. Alors, Youssef s'est reconnecté. Très bien. Et donc, du coup, étant donné qu'on a dégommé la baraque de Monsieur Madrazo, eh ben, on doit la rembourser avec des intérêts, bien évidemment. Donc, du coup, qui dit rembourser, dit braquage. En conséquence, donc là bah, on va aller voir Lester. On va se retrouver avec la petite cinématique tranquillement. Ah, cette rue là elle est bien connue messieurs-dames. Hein. Il habite là ou il habite en bas parce que je me rappelle jamais de là où il habite. Il habite un peu plus bas, il habite ici pour être précis. Donc, on va se garer correctement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la cinématique. Et on se retrouvera juste après. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Voilà. J'avais oublié que c'était à nous de voir ce gars. Messieurs, dames, je vous présente Lester. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? On se retrouve juste après la petite cinématique, hein, mais. Demande d'amis. Ouais, ça doit être le titre de la mission, ça. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Well, since you put it like that. Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag. And dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Mais
Bon, on va aller à la boutique de vêtements sur Wynwood. Par contre, on va courir, parce I'd offer qu'on va you pas y passer something, 3 jours non but plus. you would just leave. Voilà. Alors, on va juste remettre le casque correctement, messieurs dames. Normalement, vous ne devez pas entendre de musique. Hein. Je vous rappelle pour ceux qui ont assisté à mon live la dernière fois que je me suis pris un droit d'auteur pour de la musique que j'avais moi-même pas entendue, donc c'est pour vous dire. Mais je pense que ça doit être directement. Enfin, il doit y avoir un truc via YouTube par rapport à ça, et du coup, bah, je suis pas trop fait gaffe. Bon, bien évidemment, dans GTA, hein, le plus long, c'est la route. Malheureusement, moi, j'utilise pas de mod, hein, donc du coup, les téléportations, comme vous pouvez voir sur la chaîne de Shaoki Gaming, notamment, et sur celle de Thomas aussi, hein, où ils se téléportent, moi, je trouve qu'ils ont totalement dénaturé le jeu en faisant ça, donc après, hein, je suis pas très très fan de leur chaîne, et je m'en cache pas pour le dire. Donc, on va aller devoir s'habiller en mode jeunes. Merde. Bon, allez, genre, comme de par hasard, il y a un plan en béton ici, quoi. Bonjour. Excuse me. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. On va Now essayer you de gotta se fit in mettre en with a mode. different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Alors. Je trouve ça dégueulasse. Le vert là, il est pas mal. Yup, that's as youthful as you're gonna get. On va aller voir maintenant les vestes. Ah non. Alors là, il y a le point jaune par exemple qui vient de se téléporter devant moi. Dignity Ah, aside, très bien. I think that might just work. Il est où le point là? Good luck at the Deux petites secondes. Je crois que le interview. point, il est dehors, mais j'ai un Bye. doute. Ah oui. Donc il faut aller au bureau de Life machin là. Enfin, Facebook quoi, en gros. Hein. Pardon, je viens de mettre un coup dans le micro. Je n'ai point fait exprès, messieurs dames. Lester, décroche. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Allez, Find on va it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why On va wouldn't vite they? se faire remarquer, même si je fous la route à contresens. Genre, je l'ai à peine touché et je lui ai fait une tête à queue. Oula, je suis un petit bec de manette là par contre. Et c'est rouge, comment il fait pour passer lui? On se voit même, hein, c'est pas très très grave. Hein. On va se garer correct, messieurs dames. Allez, on va descendre. On va éviter de se faire repérer pour rien. Je vous laisse avec la petite cinématique, on se retrouvera juste après, messieurs dames. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you enfin, can do abusé, about it. Comment Shadow fait plus de bruit qu'un moteur à réaction, quoi. Wait a minute. Do Les I avions. Know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah.
You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Suivez le programmeur. Très bien. T'inquiète pas, je te suis, à pas peur. Consultant when we release. Consulting consultants. Il est monté là? Ah oui. Hi. Oh hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Bonjour. 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 Alors. On va faire mumuse avec les ordinateurs. Il y en a qui ont trois ordi quoi, carrément. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Pas mal les petites vidéos là. Faut être rapide là par contre. Yeah, not safe for work. On va y aller avec sa souris, ça va aller beaucoup plus vite. My computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. See what I can do. C'est tordu, messieurs dames. Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. There you go. C'est le programme. How about I run the antivirus software? Scanning. You want to take a break for some air guitar? Give me the wink, bro. Give me a second, will you? Exterminé. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Ah bah ça tu veux... ouais tu vas voir ouais. Faut là si vous regardez bien, je peux pas courir. Tout simplement parce que si je cours, ça va attirer l'attention des autres en fait. Ils vont pas comprendre pourquoi je me mets à courir. Même s'il y a deux secondes, il y en a un qui était en train de danser en plein milieu. Voilà, un petit piège. Le sac à dos, il le prend pas, normal. Donc là, on va sortir du bâtiment. Donc, par contre, il faut juste que je me rappelle par où on sort. De toute façon, je pense qu'on sort par la sortie. Hein. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Les escaliers sont là. La première fois que j'ai fait cette mission, je me suis perdu dans les étages. Parce qu'au lieu de descendre, moi, je suis monté. Au moment où la sortie, elle est pas là. Elle est là. Et normalement, elle est... oui, bonjour. Merci. Au revoir. Non. La dernière fois, j'étais monté dans un véhicule, sauf que j'avais pas vu, il y avait un véhicule de police qui était juste à côté. Pourquoi je peux pas sauter là? Bon, c'est pas grave. La dernière fois, ouais, il y avait un véhicule de police qui était juste à côté. Commence à me casser les pompons, lui là. Qu'est-ce qu'il me fait? Je suis bloqué dans les fleurs, quoi. Mais pourquoi il arrête de courir là? Voilà. Oui, donc la dernière fois j'ai volé un véhicule, sauf que j'avais pas vu, il y avait un véhicule de police juste derrière. Parce qu'en fait, ici, alors je vais vous montrer, c'est la deuxième rue à gauche là-bas. Il y a un poste de police. Donc, du coup, si vous faites pas gaffe, il y a la police qui passe, quoi. Logique, il y a un poste en même temps. Lester. The things in the prototype. Donc là, on va aller chez Michael, monsieur dame. Time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. What's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Là, je vous avouerai que c'est moi qui ai un peu raccroché, hein, quand même. Alors. Dehors, carrément. Allez, bouge. Changer de chaîne. Voilà. Là, vous allez voir
attendre qu'il... Là, il faut attendre en fait qu'il sorte le téléphone avant de l'appeler. Hein. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny. Là en fait, il faut attendre. Hein. C'est le plus long en fait. We have one of the youngest workforces in the world. Bon, tu peux accélérer s'il te plaît? 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Ah, fais coucou à tout le monde, tu vas voir, toi. Right here. We're about to make the next step. Prepare to witness the future. Le futur. Imbriqué. Ils hurlent tous imbriqués. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else Genoris. Allez, hop, on va l'appeler. Allô, boum. Oh, Jesus. Whoa. What? Lester, qu'est-ce que t'as fait? 1-0. Eh ben, parfait. Oula. Il y a eu un petit problème là, il l'a vu. Voilà, messieurs dames, parfait tout ça. Voilà la plante de Michael, vous pourrez sauvegarder vos véhicules en les laissant dans le garage. Oui, parce que si vous les garez dehors, ça marche pas. Hein. Alors, il est très très rare que je sauvegarde dans le lit à Michael. Voire, je crois que je l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, on peut sauvegarder directement par le biais de... comment ça s'appelle ? Du téléphone, donc ce qui est beaucoup plus rapide. Surtout si vous êtes, je sais pas moi, chez Trevor à l'autre bout là-haut, là. C'est quoi le nom déjà? Sandy Shore. Et que vous êtes Michael. Vous allez comprendre que c'est pas possible. Last... That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Alright. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Merci. Alors, on va faire une deuxième mission. Apparemment, il y a une mission ici à faire. Donc, on va aller directement chez Michael, hein. Je peux vous laisser la cinématique, messieurs dames. Stop with the emotions. You don't love me. You love what I represent. You love being the. Dude, do you even have a penis? Or are you one of those hermaphrodites born without genitals? Tricks up our sleeves, huh? Same. Just a nightclub singer. Nothing? Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You know, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you! Mom was pardon, right j'ai un peu mal au nez. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV.
Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. We'll take a bike ride along Vespucci Beach. Effectivement, si tu lui pètes sa télé, je pense que le gamin, il va en pas être content. Oh, une voiture toute neuve. Alors que j'avais défoncé sa voiture tout à l'heure en prenant le mur en béton. Merde, pardon, désolé. Allez, grimpe là. Allez, messieurs dames, on va aller. Je crois qu'on va à la plage. Allez faire un peu de vélo, tiens. When yours are so unbelievably fuck-faced. You're driving like a psychopath, Michael. Do you realize that? Ah oui, donc bien évidemment, hein, je lis pas ce qu'il y a marqué en bas. Voilà. Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle. Ce serait beaucoup trop compliqué, surtout que là il y a de la circulation en plus. Merde. You think I've got learning difficulties? Et depuis quand les panneaux nous arrêtent comme ça? I'm not the one who doesn't respect my fellow human beings. No, not unless they're a spick, or a Jew boy, or an ass-munching homo. Oh, there was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty? Really? And Allez. Mowing someone down in the street? Hey, I never said you had learning difficulties, Jim. Well, I do, and you never care. I just said that Dr. Freelander thought that maybe... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait aller à la plage, là, dans la vraie vie, hein, je vous parle. Merde. Je voyais la place de parking ici. Here we are, the bike rental place. Je voyais la place de parking ici, messieurs dames. Bonjour. Ouais, on va prendre lui. Allez, dépêche-toi. Bon. Allez, on y va. Tu veux que je t'offre un écran? Non mais t'as rêvé toi. C'est la crise gros. Bon, déjà je l'ai mis tempête hein. Enfin faut pas que je parle trop vite parce que je sens que je vais perdre. Je sais pas pourquoi mais en ce moment les jeux c'est pas trop mon fort. J'ai klaxonné parce qu'il y a trop de monde. Il est sérieux lui? Non! Allez grimpe! Ah ouais, bien! Ils auraient dû mettre des sirènes de tram là parce que franchement. Ah, j'ai pris un bon petit vélo. Je vais écraser quelqu'un. Faut monter là? Ah oui. Ah, par contre, j'ai le joystick qui fait nimp à mort. Allez. Ah ouais. C'est là où on va devoir aller chercher la sœur. Autant vous dire que ça va barder sévère. Et voilà. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV.
You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Shit. En même temps, on va pouvoir en profiter, messieurs dames, pour voir les profondeurs de Los Santos. La nage améliore. Ouais, par contre, on va vite remonter parce que là, je commence à être dans le rouge. Voilà. J'ai fait nain pas mort. En fait, il faut pas mal nager, hein. Parce que si vous voulez faire le truc de triathlon dans GTA, il faut impérativement d'abord savoir nager, etc. Hein. Parce que si vous le faites alors que vous savez pas nager, ça ne servira à rien, messieurs dames. Ben, c'est comme dans GTA San Andreas, hein, de toute façon. Allez, on va aller la chercher. Voilà. Hey, Manji. Whoa. Buster, take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey! No! Hey! Hey, cool, man! What are you doing? Hey! Fuck, man! Come on! Allez, on va faire deux doutes. You're such a jerk! Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I. Who's talking to see to my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! Ils me connaissent pas non plus. God damn it! Go! Shit, they're coming after us! Yeah. Oh my god, did you just kill him? Maybe he's just injured. All right. You killed them, oh my god, voilà. This isn't happening. Take a deep breath, baby, it's okay. I'm taking you back to your brother. Quoi, elle est où là? Là-bas. Ok, bon, faut savoir que normalement, cette mission, je la recommence deux ou trois fois parce que je me fais buter. Voilà. Ah, excuse-moi, mais je sais pas trop conduire un jet ski. C'est quand tu veux pour monter, hein. Merci. Non, tu n'es pas. Tu es un accessoire à self-defense. Je vais encore. Je vais faire un blow. Je vois ce traitor. Bonjour tout le monde. Asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. Oh, sérieux, j'ai mis... Where you were. You know, oh, bizarre d'attaque là-haut. You know, like c'est rare d'en voir dans le ciel, hein, des bizarres d'attaque. How about I just drive us home? You ruined my life. Ah, carrément. Il a détruit sa vie, carrément. Pauvre Michael. Il essaye de bien faire les choses, mais bon, c'est dommage. Bon, nous, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, également à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenu, enfin la petite cloche à côté du bouton s'abonner, pour être tenu informé de la sortie de mes dernières vidéos, ainsi que de mes lives. Je vous rappelle que dans la barre de la description se trouve mon pseudo Steam ainsi que mon pseudo de Rockstar pour jouer avec moi. Et je vous rappelle au passage, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, j'ajoute les personnes à 10h ou à 17h. Si vous voyez qu'à 18h je ne vous ai pas ajouté, laissez tomber. Donc je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et puis ciao tout le monde.